Salut à tous les amis, c'est New Pagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le chamanisme. Alors voilà, mon rêve, c'est d'être chaman, chaman, si la force est en toi. Devenir chaman. Alors devenir chaman, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça nécessite un long moment d'apprentissage. On parle de dizaines, voire de cinquantaines d'années. Alors, il faut apparemment de certaines dispositions dans certaines cultures. Le chamanisme, en tout cas ce pouvoir, voilà, se transmet de génération en génération. Dans d'autres cultures, on parle d'esprits en fait, qui choisissent les chamans, qui leur envoient des signes, soit dans les rêves, soit dans des apparitions, ou alors carrément on parle même de foudroiement, d'une maladie grave qui toucherait la personne et qui ne serait pas guérie tant qu'elle n'aurait pas accepté son chemin de chaman. Cependant, pratiquer le chamanisme est quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui est donné, voilà, qui est à la portée de tous. C'est vraiment une capacité humaine de savoir induire une transe. Alors certains vont avoir plus de facilité que d'autres. Hein, c'est un peu comme le foot. Tout le monde peut faire jouer avec la balle. Tout le monde peut aller jouer avec les copains au foot. Mais peut-être qu'ils ne deviendront jamais un footballeur professionnel. Voilà, savoir induire une transe ne fera pas de vous un chaman. Le chaman, vraiment, c'est quelqu'un qui va se servir de ses transes pour questionner les esprits, demander des renseignements, des conseils, savoir soigner ou aider une personne avec l'aide des esprits ou des capacités que les esprits lui ont offert. Voilà, le chaman vraiment a cette capacité d'aider les personnes, de les soigner, de donner des réponses qui a été au préalable cherchées dans les autres mondes. Alors apparemment, ces prédispositions se traduisent par une forme d'hypersensibilité chez les personnes qui seraient douées de ces compétences. Hypersensibilité, ça ne veut pas dire qu'il va facilement pleurer devant Titanic. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. L'hypersensibilité, c'est être vraiment sensible aux émotions, aux énergies, car l'émotion, ça vient des énergies. C'est vraiment quelqu'un qui va capter ces énergies plus facilement, pas forcément qui va se mettre à chialer devant quelque chose de trop triste. Ça c'est quelque chose qui se travaille, de savoir se protéger, mais qui va les capter plus facilement. Alors on dit que les personnes qui sont prédisposées à devenir chamanes attirent en général automatiquement les personnes qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont besoin d'aide. Ces personnes sont attirées automatiquement par ces futurs chamans, je dirais. Ils sont attirés comme des aimants. Il se trouve que, j'ai pas envie d'avoir la prétention d'avancer quelque chose, mais il se trouve que je suis quelqu'un d'hypersensible aussi. J'arrive à ressentir le stress des gens, j'arrive pas à me protéger d'ailleurs. Pareil, la tristesse des gens, je la ressens, la colère, la violence. Voilà, je ressens toutes ces choses. Je les prends sur moi, je n'arrive pas à m'en protéger. Mais voilà, c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui m'arrive beaucoup. Mon adolescence aussi, j'attire énormément de monde qui ont des soucis particuliers, des problèmes de famille, des problèmes avec un peu plus spirituels. J'ai tous ces gens qui sont venus à ma rencontre. Qui ont voulu de l'aide, je pense, qui malgré moi, j'ai essayé de les aider, alors que des fois, j'avais pas spécialement envie, parce que vraiment, leurs énergies, ce qu'ils dégageaient, en fait, ça me faisait beaucoup de mal, ça me faisait beaucoup stresser. J'avais juste envie de fuir par moments, et en même temps, j'avais envie de les aider, donc j'étais vraiment partagé entre ces deux sentiments. Et parfois, ça m'a attiré beaucoup de galères, d'ennuis, de stress, parce que je n'arrivais pas soit à les aider, soit à fuir. Sur Internet, dans les livres, dans les reportages, tout ce que vous pouvez trouver facilement, on vous parlera souvent de voyages dans le monde d'en haut, de voyages dans le monde d'en bas, pour retrouver vos guides spirituels, vos animaux totems, toutes ces choses-là, l'histoire du couloir qui descend en bas, la forêt, tout ça. Ça peut paraître un peu bateau, un peu gnangnan. On pourrait même se demander si c'est pas juste une forme de chamanisme occidentalisé, parfois même un peu trop marketing. En fait, faut savoir que cette forme de chamanisme qu'on montre aux gens,
Il s'agit juste en fait de la safe way, de la voie sûre en fait. C'est un peu, voilà, le niveau 1 du chamanisme, c'est vraiment une partie de l'iceberg, une infime partie de l'iceberg. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche. C'est vraiment la base du chamanisme, c'est de rencontrer vos animaux et vos guides, savoir induire une transe, de savoir voyager dans les mondes sûrs. Voilà, voyez ça vraiment comme si on vous apprenait en fait à faire des recherches sur Google, alors qu'il y a des choses un peu plus chaudes dans le dark web. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment naviguer sur des eaux sûres où vous n'aurez pratiquement pas de danger ou très peu. Encore une fois, ces choses-là, savoir les manier, savoir les utiliser, ne feront pas de vous un chaman. Ça va juste vous apprendre en fait à avoir les bases pour voyager et surtout à vous protéger. Voilà, avec tout ça, vous n'allez pas aider les gens autour de vous, vous n'allez pas les soigner, vous n'allez pas les guérir. Ça viendra en fait au fur et à mesure de vos voyages, des guides que vous rencontrerez, des animaux, des esprits, etc., qui eux vous enseigneront d'autres choses, des techniques de soins, des voilà, plein de choses. Le reste se fera vraiment sur votre voyage spirituel. On va maintenant parler des techniques d'induction pour la transe. Il y a énormément de choses que l'on peut retrouver sur internet, sur les bouquins, sur les vidéos. Voilà, on parle beaucoup du tambour chamanique. Voilà, c'est un peu la base, c'est un peu l'outil le plus facile et surtout le plus connu pour induire une transe. Alors, un tambour n'est pas forcément un objet sacré qui va vous faire plonger dans une transe. C'est vraiment un outil. Alors qu'il soit en peau animale ou peau synthétique, ça ne va pas changer grand-chose à votre expérience. Effectivement, un tambour en peau animale, c'est quelque chose en plus parce que ce tambour est forcément connecté à un esprit, donc l'esprit du cadre qui est un esprit déjà végétal, l'esprit animal de l'animal qui a donné sa peau pour le tambour. Puis on a en général sur tous les tambours une petite pierre au milieu qui va être l'esprit minéral. Donc voilà, ces trois esprits vont former une entité qui est votre tambour. Et ce tambour, eh bien, peut vous aider comme une sorte de guide dans les mondes invisibles. Après, on a des tambours en peau synthétique, où là, il ne sera pas habité par un esprit ou il ne sera pas un esprit en lui-même. Mais ça ne changera pas dans le sens où ce que l'on cherche, c'est vraiment une vibration, un rythme qui va nous aider à induire une transe. Ce n'est pas l'esprit du tambour qui va nous faire partir en transe, c'est vraiment la vibration qu'il émet, l'énergie encore une fois. Et rien n'empêche de sacrer un tambour en peau synthétique avec des objets divers et variés comme des plumes ou autres. Ça ne pourra que renforcer les énergies de votre tambour. Après voilà, des instruments, il y en a énormément. On a par exemple les hochets, les guimbardes, le didgeridoo. Voilà, c'est toutes ces choses qui vont vibrer, qui vont émettre des vibrations, vous aideront à induire des transes. Maintenant, vous pouvez très bien aussi soit écouter des enregistrements de tambour ou d'autres instruments, ou même le faire carrément sans musique. Il y a des gens qui arrivent très bien à induire des transes juste en étant assis au calme sous un arbre. Alors, on parle aussi de techniques un peu plus avancées qui vont nous permettre d'avoir des transes beaucoup plus fluides, beaucoup plus lisibles. Ça va être en fait des techniques de jeûne, soit de totalement jeûner, en fait de ne pas manger. Ces choses-là vont nous permettre de libérer un peu notre corps de substances, on va dire, toxiques, comme un peu la viande, tous les produits un peu transformés. Voilà, ces choses-là en fait nous empêcheraient d'avoir des trans profondes en tout cas. On peut faire aussi des jeûnes ou des diètes, en tout cas à base uniquement de plantes et de fruits, de légumes, soit frais ou soit cuisiné à la vapeur. Ces choses-là vont aussi beaucoup aider parce que on parle en fait de l'esprit des plantes, des végétaux qui vont nous aider également dans la transe. Et puis on a aussi voilà des restrictions, des choses à éviter comme la cigarette, l'alcool, le café et toutes ces choses-là en fait qui empêchent la transe. Alors pourquoi ? C'est un peu voilà des brouilleurs de transe. C'est un peu des produits qui influe en fait sur votre cerveau, sur vos nerfs et tout. Et voilà, ça empêche en fait la concentration et en même temps le lâcher prise de la transe. On parle aussi d'éviter la télévision, l'ordinateur, les jeux vidéo, ce genre de choses aussi vont empêcher une transe lisible et claire. Dans le chamanisme, on parle de trois mondes distincts, donc le monde d'en haut, le monde d'en bas et notre monde qui est au milieu, donc le monde du milieu. Et toutes ces choses-là, le café, le jeu vidéo,
la cigarette, les écrans, tout ça font partie du monde du milieu. Et ces choses-là, bien, vous ancrent beaucoup trop dans le monde du milieu et vous empêchent de voyager dans les mondes supérieurs ou inférieurs. Vous pourrez comparer ça, en fait, au stress que vous ressentez pour des problèmes que vous avez dans le monde du milieu, des problèmes de travail, des problèmes d'argent, des problèmes familiaux. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vous ancrent dans le monde réel, dans le monde matériel et vous empêchent d'aller dans les mondes immatériels. J'essaierai de faire un jeûne ou une diète à base de végétaux. Je vais essayer d'arrêter la cigarette un moment et le café, pourquoi pas même à long terme s'il le faut, et d'aller plus loin dans cette expérience de transe chamanique. Et bien sûr, je vous en ferai part de savoir si ça a fonctionné ou non. On prévoit aussi un petit bivouac en forêt avec un ami, avec peut-être une transe à la clé pour l'aider à rencontrer son animal totem. Donc ça sortira sûrement en vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater ça. Et puis bien sûr, toute cette vidéo a un petit message à vous transmettre, c'est éviter toute chose qui soit un peu trop dangereuse pour vous, éviter le spiritisme, éviter toutes ces choses-là et commencer par la base qui est déjà de rencontrer vos animaux totems et vos esprits guides. Voilà. Apprenez à vous protéger et restez sur la safe way, sur le chemin sûr avant de passer à des choses beaucoup trop dangereuses, je dirais, voire totalement ne le faites pas en fait. Voilà, c'était New Pagan, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura fait plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, prenez soin de la nature, prenez soin de votre famille, que les dieux vous gardent et je vous dis à la prochaine. Ah oui, je vais essayer de publier une vidéo qui sera donc non répertoriée dans la playlist transchamanique où je vous jouerai un petit rythme de tambour, le nouveau qui est juste là, afin de vous aider à faire des trans. Ciao !